Bonjour, je suis Maëva Billard, conservatrice en chef du Musée national Jean-Jacques Henner à Paris. Cette année, le musée s'engage dans un projet d'acquisition d'une peinture inédite de Jean-Jacques Henner, réalisée il y a 120 ans. Et nous avons besoin de votre soutien. Il s'agit d'une œuvre représentant Salomé, héroïne biblique qui effectua la danse des sept voiles devant Hérode. Elle obtient ainsi, en échange, la tête de Saint Jean-Baptiste dans un plat d'argent. Vous voyez ici la teinte rouge très vive de la robe qui contraste sur le fond bleu, turquoise et nérien. On discerne des touches d'or fauve, pour reprendre les termes du critique Armand Sylvestre, ces touches qui miroitent dans la chevelure de l'héroïne et également dans le plat qu'elle tient sous son bras. Cette peinture est à mettre en relation avec des dessins préparatoires au crayon et au fusain déjà conservés au musée Henner. Henner avait abordé ce sujet dès 1887 avec un tableau présenté au salon, mais aujourd'hui disparu. Nous le connaissons à travers une grande étude préparatoire très aboutie, conservée au musée Henner, où l'héroïne est également vêtue d'une robe rouge très vive. Et donc, en fait, à partir d'un sujet très souvent représenté par les artistes depuis la Renaissance, on pense à Titien, Caravage, Cranach, mais aussi très en vogue avec les symbolistes, Henner réalise une œuvre singulière et envoûtante. Alors, aidez-nous à acquérir cette œuvre pour enrichir les collections nationales et rejoignez notre plateforme de dons.